Bonjour à tous et bienvenue ici à Marseille pour le Parvis du Cœur. Le Parvis du Cœur, c'est la déclinaison marseillaise du Parvis des Gentils qui se tient dans la cité phocéenne du 3 au 8 juin. Une semaine d'échanges et de dialogues, dialogue intellectuel de haut vol autour de cette question de l'homme dans notre société contemporaine, j'allais dire un peu déboussolée et qui laisse transparaître ses failles anthropologiques aujourd'hui. Dialogue à travers l'expression artistique populaire, dialogue également à travers la prière, car ce parvis du cœur, il se tient autour de cette fête du Sacré-Cœur, qui est une fête populaire ici à Marseille et qui donne lieu, on va le voir, à une rencontre entre les responsables politiques et l'Église. Nous retrouverons d'ailleurs à cette occasion le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. Sur ce plateau installé dans la bibliothèque diocésaine de Marseille, eh bien, nous retrouverons quelques personnalités de l'Église ici. Monseigneur Pontier, bien sûr, l'archevêque de Marseille, le père Jean-Marc Aveline, qui dirige l'Institut catholique de la Méditerranée, puis quelques intellectuels qui participent à ce colloque académique qui se tient ici même au Mistral au moment où je vous parle. Et nous avons l'honneur de retrouver son éminence, le cardinal Gianfranco Ravasi. Bonjour, éminence. Bonjour, vous bonjour êtes, à tous. Président du Conseil pontifical pour la culture. Vous allez parler en italien. Ce parvis des gentils, on se souvient de Paris en 2011, et puis depuis, il y a eu de nombreuses villes, j'en cite quelques-unes, Bologne, Stockholm, Mexico aussi, pour de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique latine, et puis maintenant Marseille. Au fond, quel est l'intérêt de ce dialogue entre croyants et non-croyants pour vous ? L'intérêt fondamental est lié précisément à cette parole, la parole d'origine grecque qui est entrée dans notre langue, dialogue. Le dialogue signifie « dia », la rencontre, le croisement entre deux logoi, entre deux discours. Les discours sont sur deux positions, sur deux terrains différents. Le terrain du croyant et celui du non-croyant. En réalité, cependant, en se regardant dans les yeux, beaucoup des thèmes ont soit des réponses analogues ou pour le moins la possibilité d'avoir une rencontre, un échange des valeurs. C'est ce qui est arrivé précisément dans le Parvis des Gentils, dans le Temple de Jérusalem, où les païens pouvaient regarder dans les yeux les juifs, lesquels pouvaient à leur tour les regarder dans les yeux. Nous, cependant, ces rencontres, nous faisons aussi à travers non seulement le regard, l'échange de regards, mais aussi les idées et l'échange des mains, l'œuvre que les croyants et les croyants peuvent accomplir ensemble pour une nouvelle société. À la bibliothèque de l'Alcazar, tout près du Vieux-Port, dans ce lieu emblématique de la culture marseillaise. Vous étiez aux côtés de Julia Kristeva, la psychanalyste qui est agnostique, et puis également Jean-François Mattei, le philosophe. Comment se conjuguent humanisme et religion? Je vous propose d'en voir quelques extraits. Après Camus estimait que l'incrédulité contemporaine, si, je cite, ne s'appuie plus sur la science comme à la fin du siècle dernier, le 19e siècle. Elle nie à la fois science et religion. Ce n'est plus le scepticisme de la raison en face du miracle. C'est une incroyance passionnée. C'est justement cette passion qui fait de Camus un hôte privilégié du parvis des gentils, et plus encore du parvis du cœur, parce que son incrédulité n'est pas une incrédulité positiviste froide et aseptique, comme celle d'Auguste Comte, ou exacerbé à la manière de Nietzsche. Au contraire, elle est une interrogation et une angoisse à la manière de Kierkegaard, sans toutefois adhérer aux déductions du philosophe. Son issue n'est pas de Kierkegaard, n'est pas le désespoir, malgré la conviction erronée de Camus face aux penseurs danois. L'humanisme,
qui est en déliquescence à l'heure actuelle. Sans être critique au sens où il a été dit tout à l'heure, je voudrais essayer de montrer que d'une certaine manière nous vivons ce que un sociologue polonais relativement peu connu, mais certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, qui s'appelle Zygmunt Bauman, B-A-U-M-A-N, a appelé le présent liquide ou la vie liquide. Nous vivons dans une société liquide, c'est-à-dire qui se décompose, dans laquelle il n'y a plus d'éléments solides, une soupe transparente, si vous voulez. Or, ce qu'il y a de remarquable dans l'effondrement de l'humanisme aujourd'hui, je n'ai pas peur du terme d'effondrement, sinon dissolution, c'est qu'aujourd'hui, toutes les oppositions métaphysiques classiques se déconsidèrent et disparaissent. Je ne prendrai qu'un exemple, l'opposition fondamentale, et qui n'est pas simplement métaphysique, mais qui est physique et même biologique, c'est l'opposition de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que un découpage humain traditionnel qui consiste à distinguer l'homme de la femme de l'homme, le père de la mère du père, a été complètement effacé ou neutralisé. Et ce n'est pas simplement la neutralisation des qualités physiques qui est en cause à l'heure actuelle, mais la neutralisation de toutes les oppositions. Car quand vous commencez à neutraliser l'opposition de l'homme et de la femme, du vieillard et du jeune homme, du bien et du mal, vous allez continuer et annuler dans une sorte de surface lisse toutes les oppositions possibles. Et c'est cela que l'on appelle le nihilisme. Je pense, peut-être parce que je suis une femme, que j'ai tendance à ne pas succomber au nihilisme et à cette chute de l'idéal humaniste, mais de dire, comme disait Colette, le grand écrivain que beaucoup d'entre vous connaissent, « Renaître n'a jamais été au-dessus de nos forces ». Je considère que ce que nous essayons de faire dans le champ des sciences humaines et non pas une récusation de l'héritage de l'humanisme chrétien, mais une tentative d'approfondir cet héritage chrétien en donnant, par exemple, dans la cure analytique, quoi ? Ce que nous appelons transfert et contre-transfert n'est pas « je t'aime ». Ce n'est pas seulement un moralisme compréhensif. C'est se proposer soi-même comme objet de l'amour et de la haine. Éprouver cela tout au long d'un long accompagnement. Vous me direz peut-être que le prêtre fait cela. Mais d'après ce que je connaisse, il le fait sans donner des conduites d'accompagnement, sans interpréter les raisons du mal, sans entrer dans les profondeurs de la vie psychique. Nous avons, et nous ne sommes pas suffisamment fiers de cela, depuis la Révolution, depuis surtout les Lumières, et grâce au développement des sciences humaines, quelque modeste qu'elles soient, le courage et l'ambition de pouvoir dire que nous pouvons accompagner jusqu'à cette dégradation, la malignité du mal. Quand j'accompagne mes patients et les jeunes déstructurés, qu'ils soient des anorexiques ou des vandales des banlieues, j'ai l'impression de me réjouir du bien et de ne pas me fâcher du mal, mais de les accompagner dans ce mouvement perpétuel. Et c'est ainsi que j'entends l'expérience intérieure qui me semble être le lieu de la révolte, de la transvaluation des valeurs, de la reconstruction des valeurs, un mouvement perpétuel et non pas un système. C'est l'humanisme que je vous propose de ne pas rejeter, mais de chercher à tout bout de champ dans votre expérience intérieure. Voilà l'appel de Julia Kristeva, sur lequel d'ailleurs on va revenir dans un instant. Je signale que ces interventions, vous pouvez les retrouver en intégralité sur le site de KTO, le site internet qui s'affiche à l'instant. Éminence, on vous retrouve dans cette discussion. Il y a peut-être un point très étonnant, c'est de vous voir parler de Camus et de voir que vous avez travaillé la pensée de Camus. Certainement, un cardinal qui parle d'un auteur qui est apparemment considéré par tous comme un athée est certainement quelque chose d'un peu étrange. Je dois cependant dire que ma connaissance de Camus est pratiquement totale, j'ai pratiquement tout lu de lui et j'ai trouvé à l'intérieur de ses écrits une source de pensée.
Par exemple, avec La Peste, ce roman si célèbre qui a dans ses réflexions une anticipation du parvis des gentils. Entre le dialogue entre le théologien, le père Panlou, et de l'autre partie, le médecin Rieux, qui est l'athée. Et ils se retrouvent tous les deux, l'un face à l'autre, à réfléchir sur le thème scandaleux de la souffrance et du mal. Pour toute la sua vita, breve, en réalité, 46 ans, Camus, dans sa vie très brève, s'est toujours interrogé sur le sens de l'existence. C'est pour cela que cette demande est une demande fondamentale, d'un côté pour le croyant, mais aussi pour le non-croyant. Les grandes idéologies sont tombées, mais il y a aussi peut-être la tentation pour certaines familles de penser de faire de l'entre-soi. Quel est l'intérêt pour vous aujourd'hui, par exemple pour un cardinal, de travailler Camus, mais aussi pour des intellectuels de se confronter vraiment à partir de ce qu'ils sont? Deux sont les buts que nous voulions rejoindre. D'un côté, certainement, le fait de retourner à trouver un terrain commun, parce qu'il existe, par exemple, le thème de l'humanisme, qui a été développé beaucoup par Julia Kristeva, qui est aussi une amie. Bien que agnostique, l'humanisme est un thème d'un côté chrétien et d'un autre côté laïque. Évidemment, nous ne pouvons pas rejoindre, avoir les mêmes visions, mais si on les met au service de la personne humaine, c'est quelque chose de fondamental. Et la seconda aspetto è invece paradossalmente contrario al precedente. C'est celui de conserver ses propres identités, ritrovandole nei propri valori. En le restituant dans leurs propres valeurs. Le christianisme, un patrimoine extraordinaire, fait de pensée, de l'art, de la poésie, de culture et de spiritualité. Et d'un autre côté, il y a le monde laïque. En France, il est riche de l'illuminisme, le socialisme, le libéralisme, etc. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve sa propre identité. La pensée chrétienne s'est affaiblie, qu'il y a moins d'intellectuels. Est-ce que vous êtes d'accord? Et pour quelle raison? Quel est le diagnostic que l'on peut poser? C'est un petit peu vrai. Le penser actuellement, surtout dans le cadre chrétien, est peu élaboré. Si on pense à certaines périodes de l'histoire, que l'on pense à la splendeur médiévale, qui est tout autre chose qu'une période obscure. Si on pense à saint Thomas d'Aquin ou de notre côté saint Anselme d'Aoste, qu'on pense aussi avant au Père de l'Église. Si nous, les Occidentaux, connaissions la pensée platonicienne, nous le devons par-dessus tout à saint Augustin. Aujourd'hui, la difficulté ne vient pas simplement du côté chrétien, mais aussi du côté des laïcs. C'est une période grise, il n'y a plus de lumière. Il y a peu de pensées fortes. Sulla base della frase di questo pensatore sociologo, le professeur Mattei l'a rappelé hier en se basant sur le pensée de Bauman. Nous sommes face à une société liquide, une société dans laquelle les images se perdent. Le poète Eliot, anglo-américain, nous sommes en train de perdre en Europe notre visage parce que nous avons perdu aussi toutes les valeurs de la tradition chrétienne. Il y a là une nouvelle énergie pour la pensée chrétienne, mais aussi du coup dans ce dialogue, une fécondité mutuelle d'une certaine manière. Ecco, la parola importante è proprio fecondità, dire. L'importante que vous avez utilisée, celle de la fécondité. Si quelqu'un se renferme dans sa propre oasis, dans son espace
personnel est fermé, s'assèche progressivement. Par contre, s'il arrive à retrouver son eau, c'est-à-dire sa richesse, sa fertilité, et s'il voit la fécondité de l'autre, alors ensemble, nous pouvons faire croître de plus l'arbre de la connaissance réciproque, l'arbre du dialogue, l'encontre des deux discours. De dialoguer, d'aller se confronter. Il ne faut pas craindre le dialogue, mais cependant, et c'est très important, il faut une identité propre. C'est-à-dire, on ne peut pas aller dialoguer comme on va aux réunions de l'ONU où l'Organisation des Nations Unies cherche à s'entendre sur le plus petit dénominateur commun. Mai confrontare le posizioni diverse. Là-bas, on ne peut jamais se confronter in maniera forte. De manière réelle. Nous, au contraire, nous voulons dans ce dialogue parfois une confrontation qui est parfois aspre, qui est parfois dure, mais il est important parce qu'il n'est pas fait pour le... Il ne s'agit pas de se... Pour se confronter, il s'agit de dialoguer. D'être ennemi. Il faut dépasser justement cette étape, qui est l'étape dans laquelle, comme cela arrive avec le fondamentalisme, qu'il soit chrétien ou qu'il soit musulman, où on sort son épée et on rentre dans le duel. Au contraire, on ne veut pas de duel, mais on veut le duo qu'on retrouve dans la musique, le duo entre le soprano et la basse, qui sont chacun à des niveaux différents, mais qui ne se nient pas, mais qui se rejoignent dans l'harmonie. Et on peut être marqué d'ailleurs par cet appel de Julia Kristeva dont je parlais tout à l'heure et qu'on a entendu, de dire, vous les chrétiens, ne rejetez pas l'humanisme, mais soutenez-le. Il y aurait une tentation au fond de rejeter pour les chrétiens cet humanisme. Mais quel est l'enjeu pour vous autour de l'homme? Ça sera ma dernière question éminente. La vision de l'homme. La vision de l'homme. De l'homme et de la donne. De l'homme et de la femme. N'oublions pas que dans la Genèse, l'image de Dieu est précisément l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé à son image. Son image, il est créé homme et femme. C'est donc la complexité de l'humain, de la personne humaine, je crois, une des réalités où il est plus facile de se rencontrer dans un vrai dialogue, parce que la dignité, la liberté, la grandeur de la personne, l'amour, la vie, la mort, le sens de l'existence, la morale, sont des thèmes qui sont universels. Merci beaucoup, Éminence, pour cet entretien. Alors, vous l'avez dit et on l'a compris, ce qui est important, c'est que chacun puisse creuser son identité et savoir aussi de qui ils se reçoivent, en tout cas pour ce qui est des chrétiens. Je vous l'ai dit, ce parvis du cœur, il est organisé autour de cette fête du Sacré-Cœur. En 1722, les échevins ont formulé le vœu de venir en procession chaque année au Sacré-Cœur si la ville était délivrée de la peste. Cette promesse se concrétise aujourd'hui à travers la messe des échevins. Sibylle de Lettres était à la basilique du Sacré-Cœur. Ce matin, politiques et notables de Marseille sont présents pour honorer un vœu fait il y a presque trois siècles. Nous sommes en 1720, Marseille est ravagée par la peste. C'est alors qu'une jeune sœur, Anne-Madeleine Rémusat, convainc l'évêque de l'époque, Monseigneur Belzins, de consacrer la ville au Saint-Cœur de Jésus. Alors, la peste ne va pas disparaître totalement, elle va régresser jusqu'à pratiquement être éradiquée. Mais quelques mois après, il y a des signes de reprise. Alors que faire? C'est là où Mgr de Belzins propose aux échevins de Marseille de venir chaque année, où ils entendront la messe et communieront, et où ils offriront un cierge de 20 livres. C'est ce qui s'est perpétué pendant tous ces siècles. Aujourd'hui, il n'y a plus d'échevin à Marseille, c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie qui perpétue la tradition et remet un cierge à Mgr Pontier. Je crois que c'est surtout un moment où la communauté marseillaise se retrouve autour d'une célébration forte et dans un esprit très serein et très chaleureux.
Cette célébration, c'est aussi un moment de dialogue ou tout du moins de rencontre entre la classe politique marseillaise et l'Église. De nombreux responsables sont présents, au premier rang desquels Jean-Claude Gaudin, le maire de la ville. Vous savez, c'est une présence pour les élus de cette ville et les personnalités du monde économique qui est très ancienne. Nous venons régulièrement à cette messe, ça fait partie des traditions. Et même les cinq échevins qui ont fait ça en 1722, nous leur avons donné à chacun un nom de rue à Marseille. L'Église a vraiment besoin de se sentir proche des citoyens de Marseille, proche de la cité. Et avec beaucoup d'humilité, essayer de dialoguer avec tout le monde, c'est une belle chose. Une célébration populaire qui rassemble bon nombre de Marseillais très attachés à cette tradition du vœu des échevins. Ce n'est pas du folklore, je ne pense pas. C'est un temps où Marseille s'arrête pour réfléchir et pour prier, pour mieux repartir, évangéliser et proposer le message d'amour du Christ. Eh bien, d'abord parce que je suis marseillaise et que c'est important. Nous sommes chrétiens et que nous voulons perpétuer la tradition. Après l'Eucharistie, Mgr Ponty a renouvelé le vœu fait par Mgr Belzins il y a presque 300 ans maintenant. Au cœur sacré et adorable du Sauveur de tous les hommes, je te consacre de nouveau cette ville et ce diocèse, mon cœur et ceux de mes diocésains. Nous sommes de retour ici à la bibliothèque diocésaine, au Mistral, où est installé également l'Institut catholique de la Méditerranée. Et en ce moment même se déroule donc ce colloque académique autour de Ricoeur, de Camus. Et nous retrouvons Mgr Aveline. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos murs. Vous êtes d'ailleurs l'un des pivots de l'organisation avec le Conseil pontifical de la culture de ce parvis du cœur. Un mot peut-être sur cette rencontre avec les politiques. On a compris, elle est traditionnelle, elle est annuelle. Comment s'articule pour vous justement ce dialogue avec les politiques, mais aussi ce dialogue plus large que l'on voit lors de ce parvis du cœur? Alors, le dialogue avec les politiques, comme vous dites, il est traditionnel à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur, mais en fait, il est traditionnel parce qu'il est entretenu. Et il est entretenu tout au long de l'année parce que ce qui tient à cœur des Marseillais tient à cœur à la fois des élus qui les représentent et à cœur de notre Église aussi, ce qui fait qu'à de nombreuses occasions et pour toutes sortes de sujets, nous sommes le plus proche possible de ceux qui ont reçu mandat de veiller sur notre cité. L'homme en débat, c'est le thème de ce colloque académique à travers les regards de Paul Ricoeur et Albert Camus. Albert Camus, dont on célèbre le centenaire de la naissance. On retrouve d'ailleurs deux participants de ce colloque. Marie-Jeanne Coutagne, vous êtes professeure de philosophie, chercheur associé à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes présidente notamment de l'Association des Amis de Maurice Blondel. Et puis à vos côtés, Édouard Robrex, vous êtes maître de conférence en philosophie juive à l'Institut d'études et de culture juive qui est rattaché à Aix-Marseille Université. Pourquoi cette question sur l'homme en débat? Est-ce que l'humanisme, puisqu'on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, est-ce que l'humanisme aujourd'hui est en crise? Qu'est-ce que vous percevez, Marjane Coutagne? Oui, je crois qu'on perçoit que les gens sont extrêmement perdus. On parle très couramment de perte de repères, c'est un peu facile à dire, mais c'est tout à fait réellement vécu. Et je crois que même l'homme lui-même, on ne sait plus très bien comment on pourrait le définir ou comment on pourrait s'y référer. Donc quand il s'agit de défendre l'homme, et Dieu sait s'il y a des raisons de le défendre, sur le terrain politique, sur le terrain éthique, on ne sait plus très bien qui on va défendre. D'où la nécessité de reprendre la question face à un humanisme qui, au moins depuis un ou deux siècles, a voulu que l'homme ne se réfère qu'à lui-même. Alors, en se référant qu'à lui-même, il est un petit peu parvenu à une impasse. C'est ce que hier soir Jean-François Mattei et Julia Kristeva nous ont expliqué, chacun à leur manière. D'où la nécessité, je crois, pour tous les chercheurs qui ont à cœur précisément de remettre la question de l'homme en débat, d'essayer de dialoguer ensemble. Édouard Robrex, un débat qui porte sur quoi, au fond, pour vous? Mais sur l'humanité même de l'homme, hein, je crois que c'est assez clair. C'est assez clair dans la question, et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, l'humain, alors qu'on pensait qu'on avait une idée, on vient de le dire, assez précise de ce vers quoi on allait, cet humain fait question parce qu'on est en train de changer complètement les conditions même de l'humain. Hein. Il y a un très bel ouvrage de Hannah Arendt là-dessus. Et comment, alors que tout change autour de nous, donc effectivement, il y a une perte de repères, comment encore rêver
d'un idéal qui parfois semble dépassé, ou en tout cas en crise, parce que il n'y a plus rien de précis dans cet idéal. Alors ce que je pense qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que la crise de l'humanisme actuel, c'est aussi un produit de l'humanisme. C'est-à-dire aussi... Oui. Oui. Et, peut-être qu'il faut reposer quelques jalons pour ceux qui ne sont pas habitués de cette histoire de la philosophie. Oui, alors moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est cette grande idée d'une humanité encore à construire qui a d'abord fait émerger le monde dans lequel on se trouve et qui aujourd'hui est un peu dépassée par la vitesse avec laquelle les choses se passent et par le fait que les cadres précédents qui existaient sont en train de s'étioler et que donc on se retrouve un peu dans le vide. Alors cette question peut être angoissante, paralysante, mais je pense qu'en fait elle est une vraie question parce qu'on est en train de se poser, mais vers qui va-t-on ? Pas seulement vers quoi va-t-on, et c'est ça la question de l'humanisme, vers qui va-t-on, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se chercher en nous dans cette situation nouvelle, hein, et ça je crois que c'est quelque chose de fondamental pour l'humanisme. C'est-à-dire, l'humanisme avec son isme, ça fait un peu penser à quelque chose de trop clair. L'humanité en question, c'est quelque chose qui nous travaille tous, là où nous sommes, et c'est une question plus qu'une réponse. C'est-à-dire que nous sommes tous confrontés, c'est là peut-être qu'on peut se rencontrer d'ailleurs, par un appel à l'humain qui ne nous appartient pas, qui nous vient de l'extérieur. Et par rapport à cet appel qui rebondit en nous, eh bien, que peut-on faire ensemble et comment peut-on réinventer nos rêves, nos espoirs et finalement notre avenir? Donc par rapport à ça aussi, il faut faire de l'histoire, il faut avoir une mémoire. Si je n'ai pas de mémoire pour me rappeler des rêves qui n'ont pas encore été accomplis, je ne sais pas où je vais peut-être la tête dans le mur. Marjane. Oui, je crois d'ailleurs que, bon, je parlais tout à l'heure de l'auto-affirmation, je crois qu'effectivement, il faut sortir de l'auto-affirmation pour essayer de remettre la question au centre. Hein. Il faut qu'ensemble, nous cheminions dans la question. L'homme est d'abord une question à lui-même. Et c'est au cœur de cette question qu'on trouvera certainement, effectivement, les rêves à réinventer, mais aussi, peut-être sans doute, le sens qui nous échappe, que nous n'arrivons pas à retrouver, et puis peut-être la force d'une attestation, d'un témoignage. Je crois que nous appartenons à des traditions où il y a de très grands témoins qui ont témoigné de quelque chose qui souvent les dépassait d'ailleurs, mais qui leur a permis de reprendre pied dans des sombres temps, dans des temps difficiles, dans des temps où tout paraissait leur échapper, et souvent le pire arrivait. Donc je crois que nous sommes confrontés effectivement à une époque en difficulté, en tout cas en déséquilibre, et c'est à nous, à l'intérieur précisément de cette question de l'homme étant en question pour lui-même et à lui-même, qu'on pourra retrouver une force d'attestation, et une force d'attestation en perpétuel dialogue, c'est-à-dire en confrontation avec une altérité qui nous nourrit et qui nous fait rebondir, y compris sur notre propre tradition, notre propre histoire, et qui permet de faire une histoire ensemble. Il y a de l'audace, Père Aveline, à travailler et à faire travailler sur Camus. Et c'est l'Église catholique qui le fait. C'est assez intéressant, finalement. Oui, ah bah, Camus, c'est un personnage très, très intéressant. Hier, finalement, nos trois intervenants d'hier l'ont évoqué, chacun à sa façon. Je crois que ça rejoint, enfin à Marseille en plus, ça a beaucoup de sens de travailler sur Camus, à cause du lien avec l'Algérie. À Marseille, on est en lien à la fois plein d'affection et aussi douloureux avec l'Algérie, donc Camus est un personnage phare aussi pour nous. Oui, ça a beaucoup de sens, parce qu'il y a chez Camus à la fois le rêve qu'Edouard évoquait, et puis la force de cette révolte hein, que Mme Kristeva soulignait hier. Demain, nous allons avoir une cinquantaine de jeunes qui viennent du pourtour méditerranéen, certains d'Algérie, mais aussi d'Israël et de Palestine, de Gaza, quelqu'un vient de Gaza. Tous ces jeunes-là, un peu comme Camus, sont porteurs aussi de leurs rêves. Et qu'un institut catholique permette à des jeunes de confessions différentes, de convictions différentes, de s'exprimer là-dessus, de dire de quoi ils sont porteurs, je trouve que c'est vraiment dans sa vocation. Hier, le cardinal Ravasi, citant Camus, a dit « Une idée ne peut changer le monde » que si d'abord elle change la vie de celui qui la porte. Et bien c'est un peu ça que nous essayons de permettre, et c'est, je crois, tout à fait notre vocation. – Comment ces idées qui se confrontent, qui se partagent, qui dialoguent, irriguent ensuite la vie quotidienne de notre société, notre culture Ouais, moi je vous dirais, par rapport au premier homme, ça me fait toujours penser, vous savez, la première fois qu'on parle dans la Bible de l'homme, c'est Dieu qui dit « faisons l'homme ». Et un très beau midrash dit à qui est-ce qu'il parle, puisqu'il parle au pluriel. Oui, c'est ça. Et il nous dit, mais c'est à l'homme lui-même qui n'est pas encore là. En l'appelant, donc, faisons l'homme ensemble.
Mais dans la vie quotidienne, ça veut dire que je peux me faire, je peux me défaire, et que la vie quotidienne, dans des petits actes qui semblent anodins, sont précisément le lieu où je peux être en train de construire l'homme en moi, de me construire pour rencontrer les autres et être capable d'être à la hauteur de cette rencontre, ou au contraire, où je me laisse aller, je me laisse me détruire, je me laisse porter par d'autres forces, et puis je ne suis plus rien, je ne suis plus personne. Mais vous voyez, mais c'est ça l'humain. L'humain est en crise parce que quelque part, si Dieu l'appelle lui-même à advenir, personne ne pourra le faire à sa place. Donc le quotidien est fondamental. Faire une bonne cuisine, faire, je ne sais pas, c'est là que l'humain est en train d'émerger, d'essayer d'émerger à son propre désir. Mais pour nous, bien sûr, qui nous inscrivons dans l'héritage biblique, en réponse à un appel qui nous échappe, que personne ne peut maîtriser et face auquel nous essayons de témoigner tout simplement. Père Aveline, quand vous entendez à la fois Édouard Obrecht, Marie-Jeanne Coutagne échanger sur cette nécessité de trouver cette énergie pour trouver les racines de l'humain. Oui, ça rejoint tout à fait ce que vient de dire Édouard sur le fait que c'est dans les relations les plus simples de la vie quotidienne qu'on apprend à être humain. Faisons l'homme, mais ensuite il faut apprendre à devenir homme. Et je vois à Marseille, il y a des situations où des gens vivent des choses très difficiles dans certains quartiers. Et vous pensez à quoi, par exemple ? Je pense à ces quartiers qui sont marqués par plus de violence qu'ailleurs, par la présence de la drogue qui fait que, dans certaines cités, c'est difficile de grandir en humanité. Mais on ne grandit en humanité que par la présence amicale, forte, fidèle de ceux qui sont là. Et il y a là des petites communautés de chrétiens et d'autres aussi qui veillent à cette humanité. Voilà, sois le gardien de ton frère pour que finalement tu puisses grandir en humanité. Alors je vois bien dans pas mal de quartiers à Marseille comment ces choses-là peuvent se traduire très simplement par des associations, par de la présence, par du voisinage, par toutes sortes de choses. Et je crois que c'est, en tout cas c'est par là, en vous écoutant, que il me semble que le colloque que nous avons là, qui est un colloque académique, n'est pas loin des préoccupations de ceux qui aujourd'hui habitent notre cité. Un autre auteur juif qu'Edouard connaît mieux que moi, Franz Rosenzweig, disait dans un de ses ouvrages « L'essence de la vérité est d'être en partage ». Donc ce n'est pas une vérité qu'on possède, mais le parvis du cœur, c'est le lieu où des gens ne possèdent pas la vérité, mais ont conscience qu'ils sont attirés par la vérité, non pas pour mettre la main dessus, mais parce que devenir homme et être attiré par la vérité, c'est la même chose. Et en même temps, je vais un peu vous piquer au vif, parce qu'on a parfois l'impression qu'il y a un grand fossé entre, j'allais dire, les intellectuels et puis les quartiers populaires dont parlait à l'instant le père Aveline. Ah oui, ce n'est d'ailleurs pas tout à fait nouveau. Et pourtant, bon, c'est peut-être ces personnes-là qui auraient besoin, oui, d'entrer dans une vision, d'une certaine manière. Tout à fait. Alors, je crois qu'il faut aussi que les intellectuels acceptent peut-être de partager, dans des lieux associatifs, par exemple, des expériences. C'est peut-être là qu'ils iront retrouver l'expérience la plus chaleureuse d'une hospitalité réciproque, moi, me semble-t-il. Il ne faut pas que les intellectuels restent là aussi dans leur tour d'ivoire, parce que le risque de la tour d'ivoire, il n'est pas seulement au niveau des idées, il est au niveau tout simplement de la vie quotidienne. Et donc, il faut tout simplement aller à la rencontre, dans ce que je dirais une sorte de coprésence, à la fois aux soucis immédiats des gens qui sont des vrais soucis, qui risquent à tout moment de les écraser, parfois de nous écraser aussi, nous, bien sûr, et puis simplement de travailler avec. Dans le long terme, parce que là, c'est l'urgence, si vous voulez, de l'immédiat, dans le long terme, c'est l'enseignement. Je suis en enseignant, vous êtes en enseignant. Je crois qu'on ne construit pas l'humain du jour au lendemain, on le construit patiemment, et surtout, on lui donne les instruments de sa propre libération. Et l'enseignement, c'est aussi cela. C'est-à-dire, c'est enseigner non pas un contenu précis, bien sûr, on traverse des contenus, mais au-delà des contenus, c'est en appeler à chacun de reprendre ces contenus pour les porter en avant. Et je crois que si on veut encore, je veux dire, on vit dans une société où il n'y a plus que le court terme, parce que 5 ans, c'est déjà trop loin, mais le long terme, il existe encore dans l'enseignement. Et l'enseignement a une tâche fondamentale à ce niveau-là, c'est de rappeler qu'il existe un long terme et que c'est là, véritablement, qu'on peut se construire, parce que je ne rêve pas seulement pour demain. Je rêve aussi pour mes enfants, mes petits-enfants, pour la planète. C'est dans le long terme, ça. À titre personnel, comment vous vivez cette période? Vous avez dit l'humanisme en crise, Jean-François Mattei disait l'humanisme liquide. Comment vous vivez à titre personnel cette période, tout en étant engagé, comme vous l'avez dit Moi, je vis comme une chance.
Nous sommes à la croisée des chemins, on est arrivé à une époque, alors en même temps qu'on pourrait dire très effrayante. Difficile à vivre. Difficile à vivre parce qu'elle exige beaucoup de nous. Parce qu'on se rend compte qu'on arrive on pourrait dire à la fin d'une époque, qu'on est en train d'essayer d'accoucher d'une nouvelle époque, et là il faut qu'on soit à la hauteur. Donc c'est passionnant, c'est effrayant un petit peu, mais en même temps je pense que, comme toujours à la croisée des chemins, il y a des choix fondamentaux qui doivent être faits. Et là, nous sommes requis à notre présence, notre responsabilité et notre action. Oui, je crois que c'était à la fois un défi et un risque. Il faut savoir prendre des risques aussi, au niveau de la pensée. Voilà. Parce que le vivre ensemble, comme aurait dit Hannah Arendt, ça vaut bien la peine que l'on prenne des risques, que l'on se frotte en quelque sorte à des pensées différentes et à des modes de vie différents aussi. Hein. Et qu'on invente en quelque sorte le monde de demain, un monde qui soit habitable. Père Aveline. Oui, moi, cela, je le vis aussi comme un appel, et justement à faire se rencontrer tout ce qui est de l'ordre de la réflexion intellectuelle et tout ce qui est de l'ordre des préoccupations existentielles. Et on a essayé dans cette semaine, on peut faire mieux, bien sûr, mais on a essayé modestement dans cette semaine de faire en sorte qu'il n'y ait pas que du colloque académique, qu'il y ait aussi des temps de rencontre. J'évoquais cette rencontre de demain avec des jeunes du pourtour méditerranéen. On l'a trouvé tout à l'heure, oui. J'évoquais, voilà, il y a plein d'autres choses. On a des temps de prière, ce que fait le Secours catholique tout au long de la semaine aussi, ce que nous allons vivre demain sur le Vieux-Port. Voilà, pour que ce ne soit pas uniquement un colloque académique, mais le plus possible des temps de rencontre, parce que c'est un appel qui nous concerne, c'est une exigence pour nous. Merci beaucoup de nous avoir partagé tous les trois ce qui se passe ici au cours de ce Parvis du Cœur et de ce colloque académique autour de l'homme en débat. Dans un instant, on retrouve Mgr Georges Pontier, l'archevêque de Marseille. On l'a dit, Marseille, c'est la porte de la Méditerranée, un pont entre ces différentes rives, l'Orient, l'Occident, entre les cultures et les civilisations. Et cela pétrit l'histoire de l'Église à Marseille. C'est ce qu'évoque le père Xavier Manzano, il est directeur adjoint de l'Institut des sciences et théologie des religions. De tout temps, au niveau historique simplement, Marseille, certes est en Provence et on en est très fiers, mais c'est pas la Provence, c'est à part. Cette situation portuaire a fait que la ville a toujours été tournée vers la mer et non pas vers l'intérieur. Vous avez d'abord la période antique, ou alors là, évidemment, la Méditerranée est une mer, si vous voulez, unifiée, puisqu'elle appartient à l'Empire romain, et où là, évidemment, les gens arrivent de partout, et notamment d'Orient. Bon, les traditions que nous avons, bon, historiquement, on peut les discuter, mais enfin, ce serait que l'Évangile serait arrivé ici par des Palestiniens, donc Marie-Madeleine et ses compagnons. Ensuite, vous avez la période, je dirais, médiévale, où la ville est très marquée par le négoce, notamment à l'époque des croisades, avec ce qu'on appelle le Levant, et donc avec des rapports très étroit avec l'Empire byzantin et puis les populations musulmanes donc du Levant. Et puis après, vous avez la grande période, si j'ose dire, à la fois missionnaire et coloniale, qui a fait de Marseille un port ouvert sur l'Orient et du coup un formidable échange, carrefour d'échange entre de résonance entre différentes religions et différentes cultures. Et vous avez un dialogue au niveau des responsables religieux, bon, qui est quand même assez nourri, qui est soutenu par une initiative municipale ici qui s'appelle Marseille Espérance. Et puis ensuite, vous avez le dialogue, si j'ose dire, visage contre visage, c'est-à-dire qui naît des relations de voisinage, d'amitié entre les personnes qui sont ici au coude à coude. Vous avez des quartiers, mais enfin, les quartiers ne sont pas des ghettos tout à fait étanches. Et donc, les gens sont à Marseille très, très rapidement amenés à se rencontrer, à nouer des relations personnelles. Et ça, je crois beaucoup à cette forme de dialogue-là, parce que c'est la plus profonde, c'est la plus féconde, et c'est celle qui marque le plus. Depuis de nombreux siècles, on le voit bien, donc, les chrétiens sont stimulés, encouragés, peut-être même dérangés par ces apports culturels au gré des migrations. Nous retrouvons Mgr Georges Pontier, bonjour. Bonjour. Un grand merci de nous retrouver. Vous êtes archevêque de Marseille depuis 2006. Alors ce Parvis du Cœur, on voit bien qu'il articule différents intellectuels qui sont dans la région, qui viennent aussi d'ailleurs pour discuter autour de cet homme en débat. Moi, je voudrais qu'on reprenne une perspective un petit peu autour du bassin méditerranéen qui est aujourd'hui un peu à feu et à sang. Comment ce Parvis du Cœur pourrait être un signal, au fond, pour se soucier de l'homme dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui ? Je crois qu'il faut considérer que le bassin méditerranéen
est en ébullition, comme vous dites, mais pas qu'au sud. On se souvient ce qui se passe en Espagne, avec les indignés, ce mouvement qui a été assez fort. On voit bien ce qui se passe chez nous, qui est encore un peu maîtrisé, mais on sent bien qu'on traverse aussi une forme de crise qui n'est pas qu'économique. Et puis, le côté de l'Italie, le côté de la Grèce, on voit bien que la Turquie maintenant, on voit bien qu'il ne nous faut pas penser qu'il n'y a que le Sud qui est en crise. Nous vivons une crise profonde qui nous touche tous, qui a des allures diverses. Peut-être on pourrait dire que nous, c'est parti de l'économique et que c'est parti plutôt du côté du Sud des questions touchant la liberté, touchant la, l'honnêteté, touchant l'appétit de démocratie, le respect de chaque personne. Peut-être que c'est parti beaucoup plus de ça, ou bien la lutte contre certaines formes de dictature ou de permanence dans le pouvoir exagérée. Mais des deux côtés, nous traversons une crise où une recomposition des valeurs, une recomposition du vivre ensemble s'exprime. Nous autres, de ce côté-ci, avec un ras-le-bol par rapport au poids financier, au poids d'une économie qui nous paraît s'être emballée et puis qu'on n'arrive plus à maîtriser et qui fait beaucoup de gens en difficulté. – Du coup, c'est une vision très noire. – Ce n'est pas une vision très noire, je veux dire qu'il y a crise partout. Crise ne signifie pas nécessairement que ce soit noir, mais crise signifie qu'on est en recomposition, en insatisfaction, qu'on exprime aujourd'hui que les formes de vivre qu'on a eues pendant quelques décennies là ne nous satisfont plus, et de ce côté et de l'autre côté. Voilà, alors vous quels me dites, sont les points d'appui du vous me dites que, comment le parvis du cœur peut être. Bon, nous autres, on a dans ce parvis du cœur, vous l'avez noté, j'imagine, cette rencontre demain et aujourd'hui et demain avec un grand nombre d'adultes venant du pourtour méditerranéen pour échanger. Et nous le faisons aujourd'hui et nous le ferons encore demain. Et pour échanger, comment nous prenons position dans cette recomposition, comment nous nous engageons, quels défis nous essayons de relever. Et tous les défis à relever, on se propose les mêmes perspectives, c'est-à-dire le respect de l'homme, pas la soumission au pouvoir économique, pas la soumission au pouvoir de quelques-uns. On voit bien qu'il y a une recherche sur la dignité de la personne, sur la conception de ce qu'est l'homme, sa dignité, sa défense, et puis également sur la place du religieux, dans la forme de société, et qui là est un problème qui se pose tout à fait différemment si on est au Sud et si on est dans nos sociétés qui ont été davantage marquées, surtout pour nous en France, par une histoire de séparation beaucoup plus claire, ou de laïcité beaucoup plus nette que dans d'autres parties de ce bassin méditerranéen. Alors, Monseigneur, vous parlez de ces rencontres mosaïques, et c'est très significatif que cette année, elles soient intégrées à ce parvis du cœur. Je vous propose justement d'écouter quelques paroles de ces jeunes experts du pourtour méditerranéen. Vous l'avez dit, ils sont de religions, de cultures différentes, d'expériences aussi différentes. Voici quelques propos. Je travaille avec l'association ADEAN dans les clubs à Loin. C'est des mini-clubs au Liban, pour les 15 à 18 ans, où on fait des événements, des excursions et des projets pour promouvoir la coexistence et la diversité religieuse qui peut aider à améliorer la citoyenneté au Liban. Chaque club à Loin de chaque école présente un projet de fin d'année scolaire, et nous on a fait comme une maquette de maison traditionnelle libanaise qui a les fenêtres et les portes qui portent les signes religieux de différentes religions comme la croix et le croissant, pour montrer au public que si c'est une grande maison, est une forte maison de pierre, formée de pierre, sans les portes et les fenêtres, ça sera ouverte pour tout le monde et fragile. Je suis volontaire à l'association GPCI.
Je suis bénévole à l'association Gypsy Eye. Grâce au fait que je suis étudiante, je me suis impliquée dans notre association. On fait beaucoup d'échanges de jeunes par le projet Jeunesse en Action. Et on accueille des jeunes de l'étranger qui viennent en Roumanie pour découvrir comment les Roms y vivent et c'est quoi la culture de cette population. Aussi, on a ouvert une espèce de after school où il y a 25 enfants. Les enfants qui bénéficient de cette after school, c'est aussi des Roms et des non-Roms avec des difficultés financières. Dans le même temps, je me coupe aussi d'un autre projet qui s'appelle Messagère de nouveau à l'école et c'est en fait le messagère contre la discrimination. Je ne suis pas rome, c'est vrai, mais j'ai été poussée par les difficultés que j'ai eues dans ma vie de lutter contre la discrimination. Et on espère bien qu'avec ce projet Mosaïque en France, on va promouvoir aussi la lutte contre la discrimination et l'interculturalité. Monseigneur Ponty, on voit bien que ce brassage des cultures, c'est un vrai défi quand même pour ce pourtour méditerranéen. Au fond, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les piliers solides aujourd'hui pour construire dans cette vision très noire que vous avez développée tout à l'heure? Je pense que les piliers possibles sont de plusieurs ordres. Un premier pilier me semble être la conception de la personne humaine. Voilà. Quelle est la personne humaine? Est-ce que la personne humaine en elle-même a droit à un respect, à une dignité, ou bien est-ce qu'elle est un maillon jetable pour qu'un ensemble existe? Donc on voit bien que là, des choses autour de la dignité, de la liberté de conscience, de la liberté de religion, de la liberté de ne pas avoir de religion, de changer. Bon, ça c'est un premier volet qu'il faut vite associer, me semble-t-il, pour que nous puissions être en reconstruction à une dynamique du sens du bien commun. Voilà, on est dans une culture, surtout chez nous, de ce côté-ci, très, qui développe les droits de la personne, de l'individu. Et il nous faut en même temps, pour reconstituer un tissu social, que cette culture englobe le bien commun. Et dans ce bien commun, en particulier, le souci des plus fragilisés par la société. Un autre point qui me semble important, c'est ce rapport entre la religion, l'expression de la religion et la société civile. Pourquoi, comment dépasser cette peur que la société civile semble avoir par rapport aux faits religieux et à l'expression religieuse et aux ressources que les spiritualités peuvent apporter. Il faut que les sociétés civiles, de notre côté, redécouvrent que la ressource spirituelle n'est pas agressive, ne veut pas s'imposer, mais constitue un des éléments de l'épanouissement personnel et de l'épanouissement social. Et peut-être qu'il faut que de l'autre côté de la Méditerranée, on découvre que la dimension religieuse n'a pas à imposer sa loi à la société civile, qui elle-même est plurielle. Et si la société civile est plurielle, on ne peut pas rêver de la faire uniforme, ce qui serait catastrophique. Bon, je pense qu'il y a de ces choses-là comme ça qu'il nous faut essayer de redresser. Et puis peut-être pour nous, me semble-t-il, un autre élément, c'est qu'on a cru pendant des décennies chez nous, on a valorisé la grande séparation entre vie publique, vie privée. Que dans la vie publique, il nous faut respecter un certain nombre de normes, que dans la vie privée, on peut faire à peu près ce qu'on veut, comme on veut. Tout cela a été théorisé quand même. Tout cela a été théorisé, pensé, je veux dire. Bien entendu, théorisé, pensé. Et peut-être qu'on voit qu'on touche à une expérience qui nous montre que c'est inaudible aujourd'hui. Inaudible, cette schizophrénie qui a marqué nos fonctionnements. Et il faut retrouver une unité de la personne humaine et une unité d'une vie, unité morale, marquée par une éthique, pour qu'une vie sociale soit totalement possible. Dignité de la personne humaine, bien commun, cette relation entre les religions et la société, et puis cette unité de la personne humaine, honnêtement, on est loin d'un consensus, et en tout cas, il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut, si je puis dire. Alors concrètement, Marseille, qui est on le voit bien à travers les quartiers métissés, qui est issu de ce brassage des cultures, avec, j'allais dire, à la fois ses richesses et aussi ses problèmes, qu'est-ce que vous en attendez, vous, en tant qu'archevêque, et qu'est-ce que vous demandez
aux chrétiens, mais pas seulement, d'expérimenter très concrètement, parce que finalement, c'est peut-être là que ça se joue d'abord. Je pense que ce qu'il nous faut oser expérimenter, c'est la rencontre. C'est la rencontre. C'est-à-dire ne pas rester, ne pas parler de l'autre, mais parler avec l'autre. Et c'est une grande difficulté, cela. Et comment on passe de la parole à l'acte, si je puis dire? Mais moi, je le vois dans des réalités concrètes. Ici, à Marseille, par exemple, je commence par l'enseignement catholique, où on a une quinzaine d'établissements qui ont plus de 60% d'élèves musulmans. Et là, ce sont des lieux de rencontre, des lieux de compréhension, de lieux où on triomphe des peurs réciproques et où on s'enrichit. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un lieu de rencontre. Je le vois dans les quartiers plus populaires où il y a une convivialité au quotidien qui est presque spontanée aux gens pour se fêter, se souhaiter bonne fête quand c'est les fêtes de l'autre, etc., etc. Je vois partant des quartiers plus riches, parce qu'il faut penser aussi à cela, il ne faut pas toujours parler des quartiers nord de Marseille. Dans les quartiers riches, je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui habitent ces quartiers qui se laissent engager dans des actions qui passent par la rencontre, à travers l'alphabétisation, à travers des actions sociales, à travers des actions ludiques. Voilà. Il y a un vivre avec qui se réalise, même entre ces brassages sociaux, qui est insuffisant encore. Nous-mêmes, on a essayé de créer au sein de l'Église, et avec des imams, prêtres imams, un groupe de travail régulier, de rencontres régulières, d'amitié. Ça fonctionne, ça oui, produit. Depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, ça fonctionne et ça produit des fruits déjà au sein de ce groupe. Mais du coup, à travers la manière de parler de l'autre, On ne parle plus de la même manière de l'autre quand on a partagé en profondeur sur ce qui nous marque. Je crois qu'il nous faut oser la rencontre. Aux chrétiens qui sont déboussolés, qu'est-ce que vous dites? Et puis dans ce cadre du Parvis du Cœur, et c'est en gros la question de la fin de cette émission, qu'est-ce que vous pensez que ce Parvis du Cœur va apporter ou apporte déjà à Marseille et bien plus largement évidemment? Il faut déjà que le Parvis du Cœur apporte à ceux qui le vivent. Et pour nous, des événements comme ceux que nous vivons actuellement sont des événements qui nous interpellent personnellement, qui nous renvoie chacun à nos foi, à nos convictions. Et pour nous, chrétiens, nous ne pourrons rebondir positivement que si nous partons de l'Évangile, si nous partons de la parole de Dieu, si nous partons du Christ, si nous nous disons, si le Christ était là, à quoi m'inviterait-il? Voilà, à quoi m'inviterait-il? Il nous faut partir de là et non pas des analyses faites de manière... Certes, elles sont utiles, les analyses sociologiques, les analyses économiques, les autres analyses sont utiles. Mais nous, nous devons partir de l'Évangile. Et les appels de l'Évangile, à quoi ils nous appellent. Ça, c'est le gros défi pour nous. Et le Parvis du Cœur, dans cette rencontre avec d'autres différents, nous renvoie à nous-mêmes. Quand je rencontre l'autre différent qui me dit ce qu'il vit, ce qu'il porte comme question, ça me renvoie ces questions à la lumière de l'Évangile, comment je les creuse, comment je les approfondis et comment je m'engage. Merci beaucoup, Mgr Pontier, de nous avoir rejoints ici. Je vous propose tout de suite de retrouver l'une des 4 basiliques de la ville, la basilique Saint-Victor, qui a accueilli une veillée de prière lors de ce Parvis du Cœur. Dans notre foi ce soir, nous voulons entendre que rien n'est impossible à Dieu. Et que si nous lui ouvrons grande la porte de notre cœur, il est capable, avec nous, par nous, à travers nous et dans ce monde qu'il aime, de produire cet impossible que nous désirons. Voilà l'instant à la basilique Saint-Victor. Et sachez que vous pouvez également retrouver sur le site de Catéo la messe dans la basilique du Sacré-Cœur, présidée par le cardinal Ravasi, tout comme d'ailleurs cette émission sur le site de Catéo. Merci à toute l'équipe mobilisée, Henri de Merindol, réalisateur, à Sylvain Fouquet et l'équipe de Catéo à Marseille, l'équipe à Paris. Merci au diocèse de Marseille, à l'Institut catholique de la Méditerranée, et puis bien sûr à la bibliothèque diocésaine pour son accueil. Et puis surtout, merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt.